reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soupon. Je vais me confesser. Je vais me confesser auprès de vous les frères et sœurs. Venez m'aider. Venez m'aider. Ha! Parce que ce que je vis aujourd'hui, non, c'est pas réel, c'est pas réel, c'est pas réel. C'est parce que inhumain, c'est pas possible. Ça peut pas se réaliser, c'est pas... Non, j'ai du mal à y croire. Il faut que je vous explique. Ah! De toute ma vie, hein, je n'ai jamais vu une créature si belle. J'ai été choqué. J'ai été vraiment choqué. Mes frères et sœurs, avant de vous raconter cette histoire, j'aimerais vous poser une simple question. Dites-moi, croyez-vous à l'existence des sirènes? Est-ce que vous pensez que les sirènes sont réelles? Souvent, on nous montre les dessins animés où on voit des sirènes à l'intérieur et elles ont l'air vraiment magnifiquement belles, elles sont extrêmement très belles. Est-ce que ces sirènes elles existent vraiment? Si vous ne croyez pas, hein, vous allez commencer à croire. En tout cas, moi j'ai entendu parler, j'ai cru à distance. Mais ce que je viens de voir aujourd'hui, ça m'a confirmé qu'il y a une chose qui se passe. Une chose qui se passe dans ce monde et que vous devez être informé. Voici l'histoire. Je suis sorti tout à l'heure acheter de la nourriture. En allant, j'ai vu beaucoup de choses. Mais c'est au retour que je commençais à voir de grandes choses. Des choses qui dépassent l'entendement. En fait, j'ai eu un songe ce matin. Dans le songe, je causais avec mon ex. Vous voyez, je causais mon ex et bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis on a commencé à causer parce que dans la vie réelle, on cause pas. C'est pas que nous sommes en guerre, mais c'est bonjour, bonsoir. Et puis on se voit presque pas. Vous voyez, on se voit rarement. Bon, moi je la vois de mon songe et on cause comme si de rien n'était. Et après, elle dit bon, ok, je veux partir. Elle dit qu'elle est partie, elle a pris sa voiture et elle partait parce que il y a son mari qui était dans une autre voiture, donc elle a suivi avec son véhicule. Voici comment on s'est laissé. Quand on s'est laissé comme ça dans le songe, je me suis réveillé le matin. Quand je me suis réveillé, tout de suite j'ai su qu'aujourd'hui, les sorciers allaient faire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils allaient m'envoyer, ils allaient mettre sur mon chemin beaucoup de femmes. Mais je ne savais pas que ce serait comme ça. Comme je vous ai dit, ça a acheté une marchandise. Et au retour, là, sur le chemin, là, à un moment donné, je commençais à voir des femmes. Des jolies femmes. Waouh! Mais ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a vraiment rien dit. Jusqu'à ce que j'arrive à un niveau et que je vois à distance une femme avec une paire de lunettes solaires. Cette femme, cette fille, cette fille. Comment vous l'expliquer? La fille, là pour la femme. Je ne sais même plus où mettre la tête. J'ai dit là, elle est jolie. Je pense que c'est une femme blanche. J'ai dit, elle est jolie. Oh, jusqu'à moi, j'ai dit.
C'est trop beau pour être vrai. Il a dit ça là. C'est trop beau pour être vrai. Elle est très jolie. Combien de personnes peut-elle être si jolie comme ça? Ça m'a vu. Il a été choqué. Il voit beaucoup de femmes. Hein. Bon, je dis là. Ça a débordé. J'étais même choqué. Et je l'ai regardé. À un moment donné, j'ai dit non. J'ai tourné ma tête. J'ai dit non, c'est trop beau pour être vrai. Donc j'ai tourné ma tête même pour ne même plus la regarder parce que ça, faut pas qu'elle tombe après tout de suite. Elle me la regarde. J'ai tourné ma tête pour ne plus la regarder. Mais quand je suis arrivé à son niveau, le parfum qui m'a frappé là, alors que je me trouvais environ 1 mètre, c'était mi-tel. J'ai dit, le parfum qui m'a frappé, c'est-à-dire son parfum, de la manière ça m'a frappé là. J'ai dit, ouais. Ouais. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme et puis il y a femme. Oh. Qui est? C'est quoi ça? C'est un parfum très fort. Un parfum très fort. Ça m'est déjà arrivé une fois de sentir une odeur pareille. C'est-à-dire un parfum très fort comme ça. Ça m'est arrivé une fois. Ça, c'était la deuxième fois. J'ai dit... Ça, c'est quoi? Ça, c'est même quoi? J'ai même fait quoi du haut du... Non seulement elle est jolie, en plus, son parfum frappe à plus de 1m50, sérieux, hein? J'ai dit, j'étais là comme ça. Et puis, j'ai dit, que soit la puissance du diable, je vais être fort. que soit la puissance du diable, je vais être fort. Tu ne dois pas me laisser abattre. Pas les mimis. Non. Jamais. Voici comment. J'ai gardé mon sang-froid et j'ai continué à marcher sans regarder derrière. À un moment donné, j'ai entendu appeler un taxi. Et puis, bon, je n'ai plus entendu, j'ai continué mon chemin. Mais ma tête tournait. C'est-à-dire dans ma tête, Je réfléchissais. Et ma pensée est tombée sur cette affaire des sirènes. Je me suis dit, on dit que les sirènes souvent viennent sur la terre ici pour nous visiter. Et si ça c'était une sirène, une de ces sirènes très jolies du monde des eaux qui a quitté le monde des ténèbres jusqu'à venir ici sur mon chemin. J'ai dit, je ne pourrais pas croire. J'ai dit, non, il faut que je fasse cette vidéo pour vous informer de ce que j'ai vu. Ici, je suis sur bon. Tout ce que je sens, tout ce que je ressens, je vais vous transmettre ici. On est en famille. C'est pas après la mort. Vous allez chercher mon esprit pour lui demander ce qui s'est passé. Pendant que je suis en vie, là, il faut que je vous parle tout. Je vous dise tout. Même si je vais vivre très longtemps. Si Dieu le veut. Bien entendu. Ouais. J'ai été choqué. Elle est belle. Elle est vraiment jolie. Oh. Au point où j'ai décidé d'utiliser ma dernière force pour tourner ma tête, pour ne plus la regarder. Parce que c'était trop. La lumière qui sortait de la main était trop haut. Trop haut. J'ai dû tourner ma tête. La tête de Dieu. La tête en or. Hein? Mais son parfum encore m'a suivi. Il dit ça là vraiment. Le sorcier m'attaque. Le diable me combat. Mais ça là. Il a fait fort. Si ça c'est une sirène. C'est qu'elle a fait fort. Elle a fait fort. Et c'est là. J'aimerais vraiment attirer votre attention. Vous avez vu comment je me suis comporté? Est-ce que vous avez vu comment je me suis comporté? Est-ce que je me suis approché d'elle pour dire, hey, ma chérie, t'es trop jolie, donne-moi ton numéro.
Non. Non. Parce que si vous faites les règles, elle demande son numéro. Et si c'est le diable maintenant qu'elle a, vous allez le faire comment? Comment vous allez gérer? Ou bien vous allez dire, oh pardon, je me suis tombé, je voulais pas votre numéro. Pardon, laisse-moi, je me suis tombé. C'est pourquoi il faut prendre le temps de connaître les gens à distance avant même de demander quoi que ce soit aux gens, au nom de Dieu. Quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand on dit connaître quelqu'un à distance, c'est-à-dire en esprit, il faut savoir qui est cette personne. En esprit, Dieu doit te montrer qui est cette personne, pourquoi elle est là, pourquoi elle n'est pas vue, pourquoi tu ne l'as pas rencontrée hier et puis c'est aujourd'hui que tu la rencontres. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans son songe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton sommeil? Pendant la nuit, quel renom il y a eu dans le monde des ténèbres avant que tu ne rencontres cette personne? Une fois que tu as toutes les réponses à cette question, à toutes ces questions, alors tu veux prendre la décision. Parce que si tu fais l'erreur d'aller la prendre, d'aller faire quoi que ce soit, elle va t'abattre. Comme ce qui s'est passé avec Samson. Samson a vu cette jolie femme-là, cette jolie go, en même temps, elle s'est laissée séduire. Moi, j'ai plus le temps pour la séduction. Hein. Si tu veux me séduire, il faut me séduire. Je ne dis pas, je vous révèle pas celle-ci. Je dis pas. Sinon, les sorciers vont essayer ça. Les sorcières aussi vont essayer. Pour voir si ça marche. Je le connais très bien. Il ne dit rien. Il dit oui, si. Mais écoutez-moi. Mes frères et sœurs. Bon, mes sœurs, restez chez vous. On dit sur la fois ici. Mes frères, frères, dehors, il y a le gros Julio. Mais fais attention, il y a beaucoup de sorcières dedans aussi. Oh. Okay. Si tu as fait l'erreur de t'approcher d'elle seule à connaître un esprit, tu risques de rencontrer une sirène jolie. Et moi, quand j'ai vu cette femme, je me suis souvenu de ce témoignage que j'ai entendu. Le témoignage qui a révélé que un homme était face à cinq belles femmes. Et ces femmes-là, elles venaient tout du royaume des ténèbres. J'ai dit, ces sirènes-là, elles sont tellement belles qu'elles n'ont pas d'os dans les, elles n'ont pas de ce mot dans les chairs. C'est-à-dire, bon, en fait, quand vous les touchez là, c'est la chair que vous voyez où il n'y a pas d'os dedans. Il n'y a pas d'os. Est-ce que vous connaissez, il y a certains poissons qui n'ont pas de comment c'est os ou bien c'est quoi? Les trucs surtout dans les poissons. Bon, trouvez, écrivez en commentaire. Vous voyez, elle n'a pas d'os de ce monde dans sa chair. Quand tu la touches là, c'est la chair seulement. Il n'y a pas d'os. Et elle est très belle. La femme, elle est très belle. Et ce sont des gens de femmes qui sont venues devant le gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez ce gars-là? Hey, pour pouvoir résister à la tentation, il a fallu qu'il jeûne pendant plusieurs jours. Il a jeûné pendant plusieurs jours parce que il s'apprêtait à affronter ces belles femmes du monde des ténèbres. C'est-à-dire que lui, il devait monter, aller dans le monde des sirènes là. Il devait aller dans le monde des sirènes et il devait revenir encore sur la terre. Mais une chose peut le maintenir là-bas. Et cette chose-là, vous savez, c'est quoi? Cela vous dit quoi? Ces go, ces femmes et ces belles femmes sirènes, elles sont là-bas. Elles sont là-bas. Et le car, c'était chaud hein, quand il arrivait là-bas, c'était très chaud. Mais il s'est préparé avant, il a jeûné, mais le combat était fort. Le combat était trop fort. Il a parlé avec ces femmes-là. Elles sont venues même lui séduire. Mais bon, comme il était préparé, il avait fait beaucoup de jeûne, il a suivi les procédures qu'il fallait. Il a réussi à sa mission. Mais moi, il irait mal si la fille m'avait dit bonjour. Ou même bonsoir. Seigneur, pardon, j'ai dit, dit, ah, Seigneur, t'es jolie, mais attends, j'ai jolie aussi. Heureusement qu'elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit bonjour. Ni bonsoir. Mais bon, je m'en fous. De toute façon, même si elle m'a dit bonjour, bonsoir, qu'est-ce que ça change sur ma peau? Je m'en fous, hein. Regarde comment je suis habillé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour attirer quelqu'un? C'est fait exprès. Je vous espère, je ne vais pas attirer les regards des gens. Je préfère rester simple comme ça.
Tu me vois où? Tu trouves que je suis mal habillé où? Je m'en fous. Tu trouves que je suis bien habillé où? Je m'en fous. Tu racontes des choses sur moi? Je m'en fous. Et j'étais là comme ça. À un moment donné, j'ai regardé cette fille-là. C'est-à-dire, quand j'ai regardé cette fille-là en première position, quand j'ai regardé cette fille-là la première fois, j'ai dit, la fille est trop jolie. Elle est trop jolie pour moi. J'ai regardé la fille, je me suis regardé et dit non. La fille, elle est trop jolie. Elle est trop jolie pour moi. Celle-là, c'est trop beau pour être vrai. Après, j'ai dit, quand j'ai senti son odeur, j'ai dit, elles sont très bonnes. Non, non, non. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes pour moi. Elles sont trop bonnes pour moi. Elle est trop jolie pour moi. Et puis, elles sont trop bonnes pour moi. Ou elles sont très bonnes. Elles sont trop bonnes pour moi. T'as dit, genre, toi, tu cherches ton genre de femme, ton genre de femme. Et tu rencontres une fille qui dit que, tchis, la fille, elle est jolie, oh. Non, elle est trop jolie pour moi. Non, elle est trop jolie pour moi. Il dit, je suis arrivé au niveau hein, où j'ai pu faire sortir ça de ma bouche. Tellement j'étais dépassé par ce que je venais de voir. Ouais, là, là, le choc était trop. Le choc était choc. Jésus. Un vrai gars qui va ouvrir sa bouche comme ça et dit ça. Non, c'est que si ça, c'est pas, c'était pas un esprit, il a vu. Hein. Non, c'est pas la peine. Non, ça, c'est pas la peine. Il y a des belles femmes sur la terre. Oh! Mais est-ce que de la manière, elles sont belles dehors? Est-ce que c'est comme ça? Des belles sont belles. Est-ce que de la manière, elles sont belles de visage ou bien de si je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est comme ça? Elles sont belles dans leur cœur. Si une femme est belle physiquement et qu'elle vous attire et qu'elle sent bon, si elle est mauvaise, que vous avez un mauvais esprit, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que dès qu'elle va faire une petite chose mauvaise qui va vous choquer, vous allez oublier toute sa beauté en même temps. Toute sa beauté, son parfum, vous allez oublier ça. C'est ça qui va rester dans votre tête. Ça va vous marquer parce que vous allez vous dire quoi? Parce que dans votre tête, c'est genre comme un ange que vous avez en face de vous. Un ange ne peut faire du mal à une mouche, non? Mais quand un ange fait du mal, qu'est-ce qui se passe? La déception devient très grande. C'est pourquoi j'ai été vraiment choqué. J'ai été vraiment choqué. Et vous risquez d'être choqué. Voici aussi le problème quand vous choisissez des jolies femmes. Choisir des jolies femmes, c'est bien de choisir des jolies femmes. Il faut choisir une femme qui est belle dehors et belle à l'intérieur. Voir une femme très très belle comme ça d'apparence, ça veut rien dire. Il faut aller en profondeur. Aujourd'hui, on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie en esprit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est une sorcière, même si elle est belle, il faut la laisser. Même si elle sent bon, il faut la laisser. Même si elle est multimilliardaire, ça ne vaut pas la peine. Qui te fait rêver d'aller vers elle, d'aller sortir avec elle parce que tu comptes sur son jet. Elle va te manger cru, ça va te donner. Je préfère de vivre que de mourir. Moi, je vais vivre. Je vais vivre, Seigneur, c'est pourquoi j'aime faire le bien. S'il te plaît, Seigneur, pitié de moi, j'aime go. Éloigne-moi les vilaines go. Non, non, les go sorcières. Hey! Que Dieu ait pitié de nous. Honnêtement, si ce n'était pas Dieu, hein, c'est vraiment très difficile de résister à la tentation. Mais, vraiment, Dieu a permis que je résiste à cette tentation. Et Dieu merci, j'ai résisté. J'ai été fort. J'ai été dur. Jusqu'à ce que je vienne vous parler de ça ici. Je ne sais plus la revoir encore. Seigneur, pitié de moi, enlève mon chemin, il y a des choses encore. Vous pouvez mettre ça sur mon chemin encore.
Ça, c'est quoi ça? Je le femme comme ça. Quand faut mettre au jeu, c'est pas bon. Elle nous rappelle le diable en même temps. Hey! Au nom de Dieu, cette fille-là. Je me pose encore la question de savoir si elle vient de notre monde. Je me pose encore la question de savoir si elle vient de notre monde ici. Et son odeur, son parfum. Je dis, c'est tellement fort. Il dit, quand un parfum sent tellement bon que c'est fort, et puis, bon, ça dépasse le niveau là. Ça commence à faire quoi? On dit, ça commence à sentir mauvais. Donc, c'est un parfum qui m'a repoussé. Vous savez, moi, les parfums, vraiment, pour être honnête, pour être vrai avec vous, les parfums très forts, je n'aime pas. Je n'aime pas les parfums très forts. Très, très forts. Comme si c'était du timon. Est-ce que c'est timon? C'est comme ça, c'est comme tu as mis timon sur toi. Tu as un cafard. Ou bien tu es un insecte. Là, je peux rire un peu parce qu'elle n'est pas ici, elle n'est plus là, elle n'est pas là, il sait où, il sait pas qui elle est. Mais ce que j'ai vu là, non, c'était terrible. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que c'est réellement un démon que j'ai vu ou bien une sirène que j'ai vue? Vraiment, moi, je ne sais pas, mais ce n'était pas humain. Ça m'étonnerait que ce soit une femme humaine. Ouais, j'ai vu une femme aujourd'hui, hein. Elle n'était pas humaine. Au nom de Dieu, cette femme n'était pas humaine. Elle n'était pas humaine. Faites attention à vous, les gars. Vous qui demandez le mot des gens, même si vous la voyez, je vous assure. Hein. Vous allez avoir peur d'elle-même. Tellement elle est belle, sa beauté va vous repousser. Faites attention. Dites-moi surtout ce que vous pensez en commentaire. Maintenant, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous en commentaire, j'ai regardé ta vidéo jusqu'à la fin. Ok, c'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Reborn 3. Ajoutez Nuance Reborn, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Reborn 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.